Salut Tertous, alors petite vidéo de cette baguette que j'ai réalisée, hein. La fameuse baguette de Corban Yaxley, ouais, Yaxley, Corban Yaxley. Donc à Corban Yaxley, il y a une baguette, hein, que vous avez, donc j'ai reproduit en bois de hêtre, donc je vous la présente. Alors elle mesure 40 cm. Là, c'est long, 40 cm comme la baguette de sureau, à plus ou moins, chaque millimètre près. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les détails. Donc au lieu de la faire tout en noir, je l'ai fait en paillettes en noir métallique. Voilà, j'ai préféré la faire en noir métallique pour qu'elle ait plus d'effet à la lumière, puis plus d'effet. Voilà. Tout ça travaillé à la main, hein, donc j'ai passé du temps. C'est pas une machine, hein. C'est au Dremel, voilà, et délignement à la main. Il y a un petit défaut, un petit peu, mais bon, je le dirai pas. Et moi, je sais que un peu, je peux prouver que c'est fait à la main parce qu'il y a des défauts un peu partout. Voilà, mais bon, voilà la baguette de Corban à l'identique. Donc, même ça, c'est en bois. Qu'en pensez-vous? Petit pouce, un commentaire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez un pouce, un commentaire. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur les sorciers, sur les sorcières, sur les moldus. Encore une de plus dans ma collection. Le livre Traité des baguettes, il commence à se terminer, hein. J'en ai plus qu'une dizaine à faire. Hein, bien sûr, bah, y a le parapluie Hagrid que je pourrais pas faire. Il y a la baguette canne de Lucius que je pourrais pas faire. Mais il y en a beaucoup d'autres en dehors du livre qui sont à faire et même des autres qui sont à refaire parce que c'est des copies identiques par la teinte qui est différente. Mais le livre me reste une dizaine à faire. Surtout le livre complet. Voilà. Puis d'autres que j'ai réalisés en rapport avec la saga, bien sûr. Donc salut sorcier, salut sorcière, salut moldu.